Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Starbound, ou plutôt un épisode un petit peu particulier, tout simplement parce que c'est un épisode, encore une fois, sans gameplay mais avec plus d'informations pour rattraper le retard perdu suite au problème de tour, tout simplement, et pour à peu près nous mettre au courant, entre guillemets, de l'arrivée, de ce qui va arriver dans la 1.0 dont on peut entendre parler déjà dans ce premier post de cette deuxième vidéo dédiée à ce sujet. Donc, dernière approche vers la 1.0. Salut tout le monde. La prochaine update de Starbound est la grosse 1.0. Et on en est proche. Donc je voulais vous mettre tous au courant sur les choses que vous pouvez attendre de cette 1.0. La sortie de l'Early Access ne veut pas dire la fin des mises à jour de Starbound. Ça ne veut pas du tout dire ça. Mais plutôt ça marquera un shift away, donc c'est un passage à ils vont mettre de côté l'évolution du moteur du jeu. Et plutôt, enfin pas du moteur, mais on va dire plutôt du cœur du jeu, vers maintenant du contenu additionnel, la création d'un contenu additionnel tout simplement. On va en profiter pour ouvrir le post, le voilà. On trouve donc le devlog, hein, donc pour trouver donc sur playstarband.com. Donc j'ai mis une musique en fond aussi au passage, hein, j'y pense maintenant, je l'entends, j'espère que c'est bon au niveau du son. J'aurais peut-être mieux de faire un test, mais maintenant qu'elle est sortie, je vais pas le faire. La musique est bien. Dans le passé, nous avons fait référence à cette update avec le nom Story Update. Et en effet, les joueurs pourront enfin être à même de faire l'expérience d'une histoire, d'un arc narratif complet dans Starbound. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. On peut même voir une ville, ce qui est assez sympa. C'est même très joli. Regardez ça, un cube classique sur lequel on peut mettre de l'herbe qui déborde. Qui déborde sur le cube. Ça, c'est pas magique. Enfin. Au cours de cette histoire, vous allez rencontrer de nouveaux amis, faire réaliser plusieurs séries de missions et chercher des indices sur d'innombrables planètes. L'arc narratif n'est pas là pour remplacer le gameplay sandbox, mais plutôt le corroborer dans un contexte laissant le jeu ouvert. Et surtout sans limite. En gros, ça ne sera pas là pour vous enfermer. Ça vous, malgré tout, l'histoire qui sera quand même, à mon avis, un certain fil, qui suivra un fil, à mon avis, directeur, dirigiste, enfin bref, un fil simple, je vais dire. Hein, je pense que ce sera une série de quêtes assez simple. En fait, vous aurez quand même la nécessité de vous balader dans le jeu de la manière la plus libre possible pour récolter un maximum d'informations, je pense. Voilà. Voilà comment je l'imagine. Donc maintenant, voyons voir ce qui sera de tout nouveau et qui reviendra dans la, comme caractéristique du jeu, dans la 1.0 au niveau du story content, donc le contenu narratif. Vous êtes un protecteur en entraînement. Les protecteurs font partie du protectorat Terren. Je vais garder le terme Terren, simplement parce que je n'ai pas d'autre traduction pour ce terme. Je regarde, chers amis, quelque chose. J'ai peut-être fait une connerie. Non, il est là, c'est bon. Hop, ça permet de pouvoir calculer à peu près la durée de l'épisode. Il faut que je pense à aller mettre vos vidéos en ligne après, d'ailleurs. Une organisation formée sur Terre par les humains pour protéger et guider l'univers. Enfin, maintenir l'univers en paix, on va dire. Maintenir la paix dans l'univers. On va me dire ça comme ça, c'est encore plus beau. Oula, la musique s'excite. La musique s'excite un petit peu. L'histoire commence sur Terre. Oh, intéressant. Avec vos examens, votre jour d'examen, enfin le jour de passage du diplôme. Et rapidement, vous vous retrouvez donc à vous balader dans l'espace. Là, l'histoire consiste en 8 missions instanciées qui emmèneront le joueur d'une mine sous terre à d'anciens temples
et de des Sunken libraires, donc les librairies Sunken, je ne sais pas ce que c'est. Pour débloquer ces missions, vous devrez faire des quêtes qui utiliseront différents aspects du Starbound, différents aspects sandbox de Starbound, pour vous envoyer chercher des indices. Ces indices pourront être trouvés de manière différente, en visitant des villages, ou en parlant aux autochtones, en explorant des donjons, en construisant des colonies, et en complétant forcément des quêtes. Notre objectif est de vous récompenser à chaque fois que vous... de quelque manière que ce soit, enfin de quelque manière que vous aimez jouer en fait. Simplement, quelle que soit la façon dont vous jouez, vous serez récompensé. Toutes ces missions, en excluant l'intro, se termineront avec un combat de boss unique et vous permettra de rencontrer de nouveaux amis qui vous aideront dans l'expansion de l'Outpost, qui sera donc maintenant upgradé, donc amélioré à chaque fois, à chacun de vos progrès, voilà. À partir de cette date-là, la progression dans l'histoire, la progression dans l'armure, la progression de votre vaisseau et la progression de votre colonie seront entièrement séparées. Alors que les missions sont de plus en plus difficiles au fur et à mesure à ce que vous progressez dans la catégorie entre guillemets missions, c'est à vous de voir si comment vous voulez rentrer dedans en termes d'équipement, d'armement et d'objets. Ils ont donc supprimé toute porte artificielle, vous obligeant à avoir en fait qui sera fermée si vous n'avez pas les équipements et ou encore enfin les équipements requis pour surpasser les événements environnementaux. Voilà, on va appeler ça comme ça. Une musique classique de Starbound. Toujours sympa. J'espère que vous m'entendez bien, je vais devoir faire une pause malheureusement, ça me fait chier parce que la musique est bien. A tout de suite. Re, chers amis, voilà, bon, on reprend. Ça j'en avais parlé. Donc là on voit donc un Avian dans un temple Avian portant avec une statue de Glitch et une statue de Hilot. Et donc on voit qu'il est en scan mode. Donc en fait il est avec la petite loupe. Et donc on voit différentes couleurs d'objets dont on a pu parler précédemment. Indiquant en fait si les informations sont utiles ou connues, je ne sais pas encore. L'histoire, enfin le background du jeu et les dialogues des NPC ont aussi été arrangés autour de l'histoire et donc forment une cohésion narrative qui maintient en fait l'univers de Starbound complet, ensemble. D'accord, alors je vais juste essayer de garder mes distances avec le micro un petit peu pour que vous puissiez m'entendre correctement. Je me rends compte qu'en fait, plus je bouge, plus le son est différent, donc c'est bien, ça veut dire que mon micro est performant, mais bon, quand même. La génération des planètes. Jusqu'à maintenant, chaque planète de Starbound avait un biome majeur, avec plusieurs sous-biomes, on va dire collés dedans, fichés dedans. Avec l'objectif de rendre plus libre la progression et de supprimer toutes les portes artificielles en tête, les planètes maintenant contiendront plusieurs biomes majeurs dans d'intéressantes combinaisons apparemment. C'est ce qu'ils en disent en tout cas. La génération de planètes sera totalement. Rendra le jeu complètement nouveau et plus frais. Avec plusieurs. Beaucoup plus de possibilités de variations. Et de contenu intéressant donc. Il sera maintenant possible de voir. Ah ça peut être intéressant. Dit comme ça peut être intéressant. De voir un volcan dans la jungle. Ou une ville en ruine dans le désert. Ça peut être intéressant. Cela peut être intéressant. Par contre si on finit par voir des volcans en plein milieu d'un biome glace. Bon, on verra bien. Moi ça me plaît. Ça me plaît. Sur le principe, ça me plaît, chers amis. Ça me plaît. De nouveaux donjons. Donc là, on peut voir un Avian en tenue de cowboy. Le cowboy. Ok, de nouveaux donjons.
On amènera aussi sur ces planètes de la vie avec de nouveaux, de super nouveaux donjons, villages et superbes micro-donjons. Les planètes seront peuplées de plus de contenu que jamais et on fera en sorte d'être sûr d'avoir que chaque donjon contiendra une récompense qui sera donc en rapport avec l'histoire, pour pas à mon avis avoir une arme overcheatée, et le gameplay sandbox. Ces nouveaux villages se baseront donc sur chacune des races, incluant enfin les Ilotles, qui ont maintenant un set complet de donjons et de villages en jeu. La véritable question, c'est est-ce qu'il y en aura aussi pour les Novakids. Jusque-là, il n'y a rien en rapport avec les Novakids. Rien du tout. Ils ont été amenés comme un cheveu sur la soupe, un peu à la manière des Ilotes. Enfin, les Ilotes étaient présents depuis le début, mais eux, rajoutés, en fait, ils n'ont pas travaillé dessus. Ils ont juste rajouté le skin et l'évolution du vaisseau et de l'armement de base. Hein. Mais au niveau du lore, il n'y a rien. Donc là, on peut voir donc un personnage sous l'eau, un Avian potentiellement, le même Avian. Hein. Juste pour voir. Non, c'est pas lui en plus. Mais c'est le même Avian, on voit la même couleur. Hein. Sous l'eau, avec donc une ville Ilotl, clairement. Donc subaquatique, sous l'eau. Des nouvelles quêtes, on va appeler ça pas des quêtes secondaires, mais des quêtes parallèles. À côté de la progression de l'histoire et des quêtes d'indices, il y aura un bon nombre de nouvelles quêtes parallèles, incluant une arène de combat, un musée qui aura besoin d'être repeuplé d'artefacts. Et aussi apparemment une chambre de test qui permettra de débloquer différentes mises à jour des techs. Enfin, différentes améliorations de tech. On a aussi amélioré le système de quête avec un tracker de quête, on peut voir juste en dessous. Un compas. Et des quêtes en plusieurs parties, donc on peut voir qu'il y a le petit tiret qui se mettra à jour à chaque fois que vous accomplirez ces parties. Ça peut être intéressant, ça va même être génial, ça va rajouter de la longueur au jeu. Je me rappelle pas de ce bouton là. Ok. Les quêtes générées. Dis donc, on va appeler celles-ci les quêtes parallèles, et celles-là on va appeler les quêtes secondaires, donc celles qui ne sont pas du tout, qui n'ont aucun rapport avec l'histoire. Pour en faire en sorte que les mondes semblent être vivants et en cohésion, enfin, et cohérents plutôt, on a besoin de contexte. On a donc établi qu'avec notre nouveau système de quête, de génération de quête, We are establishing that. Ah oui, on accomplit donc ce contexte, on établit le contexte. Grâce à ce nouveau système de génération de quêtes. Voilà, c'est ça la traduction exacte. Au fur et à mesure que vous explorez les étoiles, vous rencontrerez des NPC qui auront besoin d'aide de manière différente. Ces NPC vous demanderont de faire des choses dans d'endroits particuliers sur leur planète pour simplement compléter leurs requêtes. Les quêtes seront générées d'une manière que les NPC seront au courant de la planète sur laquelle ils sont, des créatures qui y habitent, et des endroits qu'il y a dans ce monde. D'accord, donc ce seront en fait des gens qui seront un peu, pas vraiment comme des colons, mais qui sont au courant de où ils sont. Compléter ces quêtes vous rapportera différentes sortes de bénéfices, et même certaines pourront vous donner de nouveaux amis. D'accord, donc là on voit une quête. Je ne vais pas traduire la quête pour justement faire en sorte de ne pas... Enfin, on voit à peu près ce que c'est. Hein. On voit bandit, vous voyez, c'est là que c'est pratique, on voit bien que l'interface est bien faite. New Quest, donc le titre, Some Bandits to Take Care of, on doit s'occuper de quelques bandits. Bandits, nettoyer la zone, dans l'Est, bon c'est dommage que l'Est soit pas fait, est-ce que tu peux les faire payer? Voilà, donc on a compris qu'en fait il faut aller tuer des bandits. Bandits dont on voit l'image ici, avec la récompense, ici. C'est très simple. Extrêmement simple. Crew Members, donc de manière à pouvoir récompenser le joueur, pour avoir créé des colonies, on a
Donc vous pouvez... Ouais, nous sommes maintenant, nous serons donc... Ouais, je cherchais la traduction en fait exacte. Nous serons même de... De comment de recruter, de faire des... De faire de recruter dans l'équipe du... Comment de... Dans l'équipage. Les membres, les... Enfin, les colons les plus joyeux, les plus heureux. Si vous acceptez leur service, ils se téléporteront sur votre vaisseau, porteront un uniforme et tomberont sous votre... Finiront sous votre commandement. Les membres d'équipage seront capables de remplir différents rôles. Soldats qui se battront à vos côtés, les médecins qui vous healeront pendant le combat, les mécaniciens qui feront en sorte que votre vaisseau sera plus efficace au niveau de sa consommation, et les stylistes qui pourront donc réhabiller votre équipage, vos membres d'équipage. Vos membres d'équipage pourront prendre et aussi... pourront monter et descendre de votre vaisseau quand ils le souhaiteront. Ceux qui viendront avec vous, ceux qui vous suivront, donc interagiront avec le monde autour d'eux, examineront et commenteront les objets qu'ils auront et parfois les utiliseront, auxquels ils passeront à côté et parfois les utiliseront. On a pu en voir certains détails maintenant, donc quand certains NPC viennent jouer par exemple autour d'une table de R hockey. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mercenaires. Si construire des colonies n'est pas votre style de jeu, vous pouvez toujours aller donc à The Big Easy. Donc The Big Easy qui sera donc un lieu du jeu. Et tout simplement. Mince. J'ai plus le mot ailleurs. Ailleurs c'est embaucher, voilà. un pingouin mercenaire. Ces mercenaires s'occuperont des mêmes rôles que vos membres d'équipage, mais à la seule différence que vous devrez les payer pour. Ça me semble logique. Les améliorations du vaisseau. Les améliorations du vaisseau sont donc maintenant. Enfin, le vaisseau sera maintenant amélioré en fonction des nombres de membres d'équipage que vous aurez. De manière alternativement, si vous ne voulez pas jouer avec des membres d'équipage, si ce n'est pas votre style, des permis pour améliorer votre vaisseau pourront être achetés au marché noir à le Penguin Bay, qui est déjà présent dans l'outpost. Suite à la 1.0, on va continuer à... Ah ! Après la 1.0, on continuera à s'intéresser au fait de pouvoir recréer des vaisseaux entièrement customisables. Ça peut être intéressant. Ça peut être extrêmement intéressant. Possibilité donc de changer de vaisseau peut-être potentiellement. Bon, génial. Un nouveau système de progression des crafts. On a complètement repensé le système de progression des crafts. Il y aura maintenant plus de tables de craft avec chacune qui sera donc équipée entre guillemets de volets. Enfin, vous voyez, comme là par exemple, on peut voir le marteau et la bouteille de gaz, enfin les bouteilles de gaz, des tabs. Moi, je s'appellerais aussi des tabs aussi, donc c'est pour ça que je vais pas faire. J'essaie de faire la traduction. Qui donc spécifieront chacune des catégories d'objets craftables. Les différentes recettes de craft deviendront beaucoup plus sensées et beaucoup plus intéressantes avec beaucoup plus de recherches derrière qui permettront en fait de comprendre trouver les fins, comment dire, dans le choix en fait des objets utiles pour la création de l'objet. Il sera plus facile que jamais de trouver ce que vous voulez quand vous le voudrez. Ce n'est pas parce que, oui, voilà, en fait, vous aurez de plus en plus de recettes de plus en plus avancées, de plus en plus nombreuses. C'est donc c'est quelque chose de plus en plus logique. Et une UI, une interface utilisateur améliorée, fera les choses quand même de manière à ce que ça puisse être toujours aussi simple. Que ce ne soit pas une corvée. C'est vrai que l'interface est sympa, hein. Vous pouvez voir qu'il y a le petit symbole pour pouvoir le retrouver facilement. Il apparaît à deux endroits. On a, j'imagine...
voyez, donc Innovation Station, Inventor's Table. Mon accent est trop pété. Il y a quand même l'upgrade pour améliorer ce truc-là. Donc, il y aura un moyen de les améliorer. Non, il y aura vraiment un truc sympa. Vous voyez, avec new. Hop, ça. Non, ça va vraiment être sympa, je pense. Les fossiles. On sera maintenant capable de crafter une station de fossiles et des nouveaux outils pour les fossiles qui permettront de mettre à jour de mettre à jour dans le sens de les ouvrir au monde une bonne quantité d'os sous terre pour faire de l'excavation de ces fossiles avec succès. Vous aurez besoin de jouer à un mini-jeu. Une fois complété, vous serez à même de récupérer le fossile, les pièces de fossiles et de les exposer dans des vitrines, tout simplement, dans des vitrines. La fin est de retour. Ça y est, on l'avait au tout début du jeu. Ça, c'est génial. Alors, la fin, le système de fin a été retravaillé et sera revenu dans une option. Donc dans un mode survie. L'interface a été repensée. La bouffe maintenant pourrira sur le temps. Avec des réfrigérateurs qui garderont votre bouffe fraîche. Bouffer. Aura aussi donc un. Voilà, bouffer aura aussi un système de heal qui servira quand même si vous ne faites pas partie en fait. Du mode survie, c'est-à-dire qu'il sera toujours utile de bouffer, tout simplement. Deux nouvelles armes. Donc on peut voir en plus la bouffe, là, avec différents plats. Donc j'imagine des plats à base de viande, des plats à base de légumes, des desserts travaillés, je dirais, des collations, on va dire. Des boissons, et là, je ne saurais pas dire ce que c'est. On dirait que c'est une espèce de gelée, donc peut-être des repas galactiques, entre guillemets, des repas plus simples. Enfin, plus spacey, on va dire, plus space, plus espace. Plus en rapport avec l'espace, on verra bien le moment venu. Hein. De nouvelles armes, il y aura une pléthore de nouvelles, d'extrêmement uniques armes, capables d'être trouvées, donc récupérées autour de dans tout l'univers. Elles pourront servir de très très bonnes récompenses à des missions. Donneront une variété de gameplay plus grande. Backer request. Et la plupart d'entre elles sont faites donc à partir de demandes de gens qui ont eu le jeu, qui ont donné de l'argent pour le jeu, qui ont payé le jeu en early access. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'en fait ils ont écouté leurs bakers. Hein. Système de pet repensé. On en a encore quelques-uns, chers amis, hein, vous voyez. Encore un petit peu de temps. On va faire une seule vidéo sur ce poste, parce qu'il est quand même extrêmement long. Hop, d'accord. Le système des pets a été complètement amélioré. Capturer des pets maintenant. Les pets capturés, pardon, apparaîtront maintenant dans l'inventaire. Donc, vous voyez. Ici. La quantité de créatures que vous serez à même de capturer, si on va dire ça comme ça, hein. Sera beaucoup plus grande. L'animation capture a été améliorée en fonction des pets. Pet behavior, j'ai jamais su dire vraiment tout ce que c'était, tout ce que voulait dire ce mot. Les pets pourront aussi être équipés de colliers qui leur donneront des capacités spéciales. Ça, je sais pas ce que c'est. Et on sera à même de crafter des stations. Pour soigner ou peut-être éduquer, j'imagine. Pour soigner et peut-être faire en sorte de garder les pets à un même endroit. Par exemple, une niche. C'est ce que j'imagine, en tout cas. Et vous voyez, donc on a donc un pod rempli. Un capture pod donc avec un monstre dedans. On sait qu'on a un pop-top, ça s'appelle un pop-top. Le pop-top... Hums, je sais pas ce que c'est. Bref, et donc on voit qu'il est équipé d'un collier qui lui rend Bouncy, donc j'imagine que c'est un état qui rebondit un petit peu partout, vous savez. Système d'augmentation.
un peu similaire au système de collier des pets. Les armures d'augmentation, les augmentations d'armure maintenant pourront être appliquées sur certaines armures de dos. De dos donc, hein. Pour vous donner pour donner certaines capacités spéciales, propriétés spéciales aux joueurs. Cela peut aller d'une augmentation de dégâts et de vitesse à des effets spéciaux particulièrement fun. Donc là par exemple, celui-ci qu'on voit dans l'image protège le héros du froid en fait, simplement. C'est vrai que c'est joli quand même sur le principe. C'est pas mal, c'est pas mal. Des améliorations du combat. Donc les scènes de combat continuent à être mises à jour et à être améliorées. On continue toujours à ajuster la façon dont les dommages fonctionnent. D'accord, oui. Quand il est blessé, le joueur a maintenant une frame d'invincibilité, qui sera sans doute plus longue. Quand le monstre sera blessé, il ne sera pas à même de toucher, de faire des dégâts au joueur avant un court temps. Ce qui veut dire qu'on n'aura plus de problème en fait quand on continuera à taper un ennemi, de nous faire taper par une attaque spéciale au même moment, quoi. Vous voyez le truc, c'est sort de nulle part et on se faisait avoir des fois. Il y a beaucoup de changements qui ont été réalisés pour ce système de combat. Ils continueront pour travailler sur l'équilibrage. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne vois pas trop ce que je suis censé voir au niveau... Si, c'est un bec qui s'ouvre, j'imagine. On dirait un oiseau avec un gros bec qui s'ouvre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Polish, donc le petit coup de truc. Il y a beaucoup de choses à lire pour qu'on puisse... à dire ici pour qu'on puisse dans cette catégorie. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'en fait le jeu sera beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre, beaucoup plus professionnel. Ça améliorera donc chaque aspect du jeu, le code, les sons, les graphismes et les designs du jeu. Ils montreront donc une version unstable du jeu. Un petit peu avant la 1.0, pour continuer à finaliser le jeu du mieux qu'ils peuvent avant la sortie. D'accord. Performance optimisation, donc ça va plaire à beaucoup de gens, je pense, parce que même le mois qu'il tourne sur une machine de guerre, le jeu arrivait à laguer, vous vous rappelez. Donc bon, les performances du jeu dans Starbound tombent dans deux catégories. Les performances du client, donc qui ont un problème de framerate, et les performances du serveur, donc qui eux ont un problème de mise à jour. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, en allant trop vite, on peut par exemple dupliquer des objets sur un serveur. Donc ça, c'est un véritable problème. Et pour des raisons inconnues, des fois, on a une baisse de framerate ou un freeze, qui sortait de nulle part. Ils ont entièrement réécrit le système de rendu du jeu pour améliorer les performances du client. Donc on devrait avoir de meilleures vitesses nombre d'images par seconde. Et il fonctionne sur les performances des serveurs pour au moins doubler les capacités du serveur. C'est intéressant ça. C'est bien de dire qu'ils veulent les doubler. Un nouveau style du multijoueur. Le multijoueur dans Starbound a toujours été... a toujours eu beaucoup de mal à décoller. Puisqu'on devait faire qu'un joueur prépare un serveur, prépare les ports, partage l'IP, et après c'était possible. On espère utiliser Steam pour permettre plus de facilité à ce processus. Mais il y a toujours quelques problèmes techniques sur lesquels il travaille. L'objectif est de créer deux systèmes, deux expériences multiplayer. Pouvoir entrer et sortir d'un single player d'un ami à travers des invites Steam. 4 joueurs maximum par défaut, édité via le config. Ce qui veut dire pas de serveur lancé,
pas de commande partage d'IP ou d'ouverture de port, simplement une invite Steam pour rentrer dans le jeu d'un ami qui joue en fait sans forcément avoir lancé le multi. Ou alors des serveurs dédiés où là il faudra donc sortir via le mode multi pour pouvoir aller dedans et rentrer dans un serveur qui sera entre guillemets pas officiel mais beaucoup mieux organisé je pense. Et donc ils travaillent sur des systèmes de sécurité, parce que oui, on avait beaucoup de problèmes de glitch en fait, de glitch et de personnes qui cassaient le serveur littéralement, hein, il n'y a pas d'autre terme. Hein. Et donc du coup, ils essaient de travailler là-dessus pour faire en sorte que ça marche quand même malgré les différents modes qui pourraient exister sur Steam. Enfin, sur Star Wars. Justement, je pense que si on parlait de modes sur Steam, avec leur coopération avec Steam, ils souhaitaient préparer un Steam Workshop pour supporter les modes et supporter les développeurs de modes. Voilà quelques-unes des commandes, des features qu'on retrouvera dans la 1.0 et comme d'habitude, ils continueront à nous prévenir au fur et à mesure dans le développement du jeu. Si vous avez quelques questions, etc. À la prochaine, taille. Voilà, chers amis, bah écoutez, c'est la deuxième vidéo qu'on fait sur ce sujet-là, un sujet qui est cette fois-ci très complet. Moi, ça me donne vraiment la hype, hein, quand on voit toutes les améliorations, et encore, vous n'avez pas vu la suite, moi j'en ai vu, je me suis tenu un petit peu au courant. Ceux qui n'ont pas vu vont sûrement être surpris. C'est vraiment un jeu qui se développe, mais de manière, qui va se développer de manière complètement différente dès lors de la 1.0. Et ça pourra peut-être lui porter préjudice parce que ceux qui étaient fans des anciennes versions auront peut-être pas accès à ces anciennes façons de jouer, ces anciennes mécaniques de jeu. Et du coup, ça pourrait peut-être poser problème. Moi, je sais que je suis hypé, je sais que ça va me plaire, je sais que je vais m'éclater dessus. Après, maintenant, il va y avoir des gens forcément à qui ça ne va moins plaire ou pas plaire du tout. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.